Hello les abonnés, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc vous commencez à prendre l'habitude, on est avec eux, et quand vous nous voyez en général qu'il fait pas encore bien jour, qu'on est en voiture, qu'on prend pas le temps de s'arrêter, c'est qu'il y a un FTF. Voilà. Hein, tout simplement. Donc on est en route pour potentiellement faire un FTF. On est un peu plus tard que d'habitude. D'habitude on y va sous les coups de 7h-8h du matin. Là il est 9h24. C'est un scandale. Non, il est temps de prendre le deuxième café déjà. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve sur place. Hein, on va pas se retrouver ailleurs. Nous sommes toujours à la recherche de la cache, on s'en rapproche. J'ai laissé Angélique guider aujourd'hui. C'est pas gagné. Je sais pas si c'est une bonne idée. Normalement, c'est ça. Alors, c'est sur un terrain qu'on aime bien, puisqu'on aime bien tout ce qui est forêt. Je suis moins urbain. J'ai même pas regardé les tailles. À 3 mètres. D'accord. Ah oui. Ouh, les jolies boîtes. Alors. Ah. Une bonne grosse boîte. Alors, il y a un truc que je regarde et qui me fait très plaisir. C'est que la boîte est attachée avec des riselants et pas avec une vis. Alors, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais te laisser faire. Hein. Tiens, ça, je te laisse. Je tiens le téléphone. L'indice c'était vis à vis. Vis à vis, ouais. Alors toi tu enlèves la colle. Hein? Toi t'enlèves la déco. pour essayer de voir, bien sûr. Ça, ça c'est une charnière. Ouais. Moi je dirais déjà tu peux ouvrir là. Ouais. Il faut des piles et il y a un cadenas à code. Alors on a une notice. Mettre les piles dans le boîtier prévu à cet effet, puis chercher à allumer la lumière. Une fois trouvé, vous avez le code du cadenas, enfin presque, reste plus qu'à mettre dans le bon ordre. Une chance sur deux, pas trop compliqué. Merci. Alors, les piles. On a pris les piles de la Freebox. J'espère qu'il y a assez de jus. Normalement, oui. Tu peux le décrocher, c'est un... Donc il doit y avoir une petite lumière quelque part, et effectivement il y a une ampoule ici. Et donc après comment ça marche? Faut mettre il faut une, vas-y. Tu vois, t'as des... Alors est-ce que t'as des rouges là? Ouais mais c'est jaune et vert. Ah oh. Mais normalement il faut deux. Ben en fait il faut que... Par exemple si celui-là et celui-là étaient conducteurs, ah, il y a un plus, okay. Un moins. Il faut que tu trouves lequel. Ah mais c'est chaud quoi. Là, faut tester. Un à un. Ah, j'ai pas commencé par le premier, je suis pas dans la plus grande logique, mais au moins. Alors j'ai précisé un truc qui était plutôt intéressant, c'est vrai que l'owner a posé ça pas très haut. Donc pour des adultes, bon bah c'est au fond qu'on se plie un petit peu ou autre. Mais par contre c'est génial pour permettre à des enfants de pouvoir le faire tranquillement quoi. Eh bien, pour le moment... C'est un échec. Pour le moment, c'est un échec. On a testé, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Il y a 24 petits picots. Donc on a testé 24 fois, 24 fois. Non, 24 fois 2. Ben non, parce qu'à chaque fois, on fait... Oui, enfin 24 ben oui. Fois au carré, fois 2. Voilà, c'est ça. Donc, et on l'a fait pas mal de fois, et du coup, là, on doute de la qualité de nos piles. Donc, nous allons aller chercher des piles et revenir en espérant qu'on soit encore les premiers. Voilà, voilà. Et coucou, c'est Renaud.
On est allé acheter des piles. Voilà, des piles toutes neuves. En espérant que cette fois ça marche, hein, parce que sinon on sait pas trop comment on va faire. On va devoir forcer le camna. Pas terrible. J'ai fait le test tout à l'heure de la langue. Vous savez, pour voir s'il y a de l'électricité. Et là, ça... Bah ça, t'as du jus là. Ouais. Bon, ben on est parti. Donc, alors. Ça se trouve, Bon, en fait, c'était bien les piles. Hein. Voilà, c'était bien les piles. Donc, ça a enfin fait pili. Donc, ouais. on a eu la lumière, donc c'était bien les piles. Petite chose, donc, on a trouvé les deux chiffres associés donc au picot qui nous permettait d'avoir la lumière. Donc, je vais donner deux chiffres qui n'ont rien à voir, mais par exemple 07 et 10. Et le code pour les retrouver, c'est soit 0710, soit bien sûr l'inverse. Donc, 10. 07. Voilà, donc on essaye et puis on passe à l'ouverture. Hein ? Pourquoi pas ? Attention, mystère. Une boîte ! Oh oui. Yeah ! Alors, est-ce qu'on est toujours FTF ? Parce que ça se trouve qu'on est parti chercher les piles. On s'est fait piquer le. Oh, je pense pas. Ce serait rigolo. Je pense pas, sinon les mecs étaient trop forts, quoi. Non. Voilà, FTF, y a rien. Voilà, oui. Bon, eh ben on va loguer ça. Le petit coup de tampon. Voilà. Ça, c'est un FTF. Et bien voilà, donc mission réussie, encore un petit FTF pour la team Lampayengre. C'était une cache plutôt sympa qui méritera son point favori. En plus, elle était bien fixée. Donc ça fait plaisir de ne pas avoir une vilaine vis dans un arbre. Et puis bah c'est parti hein. On voulait emmener en fait un Geowood à la base ou un TB et habituellement l'owner a des tout petits logbooks. Alors c'est vrai qu'on s'est dit bon ça vaut pas le coup. On s'est dit on se doutait en fait que ça logerait pas et en fait bah cette fois si. Au final ouais voilà. Tant si. Pis. Donc mais comme à moi j'ai on viendra en poser un. Ouais voilà parce que j'ai une cache, on a une cache qui est pas très loin à nous. Donc on passera certainement à l'occasion. On vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos et puis bah jeux amitié les amis. Ciao ciao. Ciao ciao.